Le 21e congrès international de l'eau et de l'assainissement et la 7e conférence internationale sur la gestion des boues de vidange se tiennent à Abidjan depuis le dimanche 19 février 2023 à Abidjan, à l'hôtel Sofitel Ivoire. Cette info y est également pour vous. Alors nous recevons Monsieur Ardouin Guillaume de la société EMO et Monsieur Ganiou Marshall de STC Engineering qui sont dans le domaine de l'assainissement pour parler d'innovation technologique dans le secteur de l'eau. Alors pouvez-vous nous parler de ce que vous faites un peu dans ce secteur? Donc nous, notre métier principal, c'est la production, la conception, la production et la vente d'équipements de traitement des boues et des eaux usées. Et aujourd'hui, en Afrique, on s'appuie sur notre filiale en fait à Abidjan, qu'on vient d'ouvrir il y a un an à peu près, pour faire des projets de stations complètes dans l'assainissement, que ce soit sur les boues municipales, que ce soit sur des boues de vidange, mais aussi pour les industriels. Donc on fait du design de stations, donc tout le process, et on s'appuie sur des sociétés locales pour toute la réalisation de la partie génie civil et pour la mise en place de l'équipement sur site. Alors aujourd'hui, on parle de raréfaction de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la raréfaction de l'eau, aujourd'hui, c'est un sujet qui est au cœur des débats parce que c'est vrai qu'on a un changement climatique qui est important. Donc nous, on nous demande de plus en plus, en tant qu'experts de l'eau, de trouver des solutions pour pouvoir réutiliser cette eau qui va manquer demain. L'eau, c'est vrai que c'est un enjeu qui devient important, qui était important, mais qui devient de plus en plus parce qu'on voit qu'on a des manques dans plus en plus de pays. Donc pour ça, nous, on essaie d'apporter des solutions pour réutiliser l'eau. On parle beaucoup de reuse en ce moment et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie d'apporter aussi à nos clients, que ce soit en Afrique, en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Alors justement, d'ici 2050, on nous dit que la demande en eau mondiale sera supérieure d'un tiers à son niveau actuel. Et vous, quelles sont les solutions que vous proposez justement? Alors nous, les solutions qu'on propose en tant qu'experts de l'assainissement, c'est justement, comme je vous le disais, la réutilisation de l'eau. Donc dans les stations d'épuration, que ce soit municipale, que ce soit industrielle ou vidange, c'est de récupérer cette eau à base avec une filtration suffisante pour pouvoir la réutiliser, au moins dans un premier temps pour faire de l'irrigation ou pour faire de l'utilisation industrielle dans des procédés industriels. En France, bon, je m'écarte un petit peu de la Côte d'Ivoire, mais la France, on est encore un peu en avance à ce niveau-là. On parle maintenant de réutiliser l'eau de sortie de station d'épuration pour en faire de l'eau potable. Donc c'est encore un stade qui est avancé, mais je pense que c'est l'avenir aussi au niveau mondial, toutes ces solutions-là. Alors, pourquoi le secteur de l'eau constitue-t-il une opportunité d'investissement intéressante de nos jours? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le domaine de l'eau constitue un domaine d'investissement important parce qu'aujourd'hui, comme vous avez parlé tout à l'heure de la raréfaction de l'eau, donc aujourd'hui, je pense que voilà, il y a pas mal d'acteurs qui doivent s'investir dans ce domaine-là pour permettre aux populations d'avoir voilà, l'accès à l'eau potable. Et puis aussi, les fabricants comme EMO et puis les sous-traitants comme STC devraient quand même beaucoup essayer de s'investir dans ce domaine-là voilà, pour pouvoir apporter le maximum de solutions possibles. Voilà quoi. Tout ça, c'est pour le bénéfice des populations. Hein. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, en Afrique, avoir de l'eau potable aussi, c'est pas chose courante. Voilà. Justement, quelles sont les innovations dans le secteur? Bon, les innovations aujourd'hui, c'est que déjà avec des fabricants comme EMO, ils permettent d'avoir des installations vraiment de haute technologie qui permettent de réutiliser l'eau et puis aussi non seulement la réutiliser à des fins voilà quoi, assez bénéfiques que ce soit pour les populations. Les industriels. Quoi. Quels sont les défis et les problématiques liés à l'accès en eau potable en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les défis liés à l'accès à l'eau potable, je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants doivent beaucoup investir dans ce secteur-là parce qu'il y a pas mal de populations et des villages reculés qui n'arrivent pas à avoir accès à l'eau potable. Je pense qu'après aussi, les bailleurs de fonds aussi doivent quand même vraiment soutenir nos États, afin qu'on puisse vraiment mettre pas mal de financement
dans des infrastructures pour le bénéfice de nos populations, quoi. Alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose, ouais. Je vais rajouter, en fait, le gros défi pour le traitement de l'eau, pour l'assainissement, c'est que c'est un secteur qui n'est pas rentable. C'est vrai que c'est quelque chose, contrairement à tout ce qui va être investissement minier, investissement pour le gaz, le pétrole, c'est des choses qui sont rentables, qui rapportent de l'argent. L'investissement pour l'eau, l'assainissement de l'eau, c'est quelque chose qui coûte seulement, qui est contraignant pour les municipalités, c'est de l'argent à dépenser. Et il faut être honnête, c'est peu de retour sur investissement. Mais il faut voir ça comme une problématique de santé publique. Ça va permettre aussi de réduire les frais de santé, de soins pour la santé des gens. C'est dans ce sens-là qu'il faut essayer de promouvoir ça, en fait. Alors justement, est-ce que vous avez une stratégie pour la promotion de... Nous, notre stratégie, c'est d'aller discuter avec les plus hauts décisionnaires, c'est essayer d'entrer dans les universités, bien faire comprendre aussi que cette notion d'avoir une eau propre, c'est important pour pouvoir développer le pays, pour pouvoir avoir des gens en bonne santé. C'est pour le développement économique du pays, c'est quelque chose qui est important. Et donc, on essaie de travailler, on essaie de faire du lobbying pour bien faire comprendre cette problématique-là. D'accord. Et quelle est votre cible principale ? Alors, nos cibles principales, c'est les institutions, c'est les politiques, puisque c'est eux qui sont décisionnaires, qui ont les décisions sur les plans assainissement dans leurs mains. Donc nous, notre rôle, c'est d'essayer de faire comprendre à ces gens-là qu'ils peuvent investir sur l'assainissement, et que même si ça ne va pas forcément être rentable sur le court terme, puisque ça ne va pas générer de revenus très importants, c'est sur le long terme, sur la santé et le bien-être de la population que cela va avoir une répercussion qui sera bien plus notable. Merci beaucoup à vous, merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur Cette Info.